Good morgen, allez, Iden, les sustres aujourd'hui, le Nishmat, Richard, Aaron, Ben Fortune et Mazal. Ainsi que les Fouat, Hana, Léa, Bat, Getel, Devorah, Sarah, Bat, Nechama, et toi, chers collègues, Israël, si vous êtes aussi les prochaines études de Mishnah, quand tu étais 5 minutes éternelles, nous étions à Serep Sachim, Perektet, Mishnah Zahim. Amafrish, Nekeva, Lepisro, Ozachar, Ben Shteshanim, Ir'e, Ache, Istaev, Veimacher, Veiplu, Damav, Lindava. Amafrish, Pisro, Vamet, Lo, Yevienu, Beno, Acharav, Lechem, Pesach, et là, le Shem Shlamim. Une Mishnah qui a un tout petit rapport avec la Mishnah précédente, on n'a qu'à traduire directement. Amafrish Nekeva Lepisro, celui qui va désigner une femelle pour son Korban Pessah, Ozachar Ben Shteshanim, ou un mâle, mais qui a 2 ans. Soit, dans la Torah, c'est explicite, quand Hachem a ordonné la Mitzvah du Korban Pessah, il a dit c'est que sa vie, Mosé et Izim, il faudra prendre nécessairement un mouton. De la famille des moutons, de la famille des chèvres, mais un C qui est petit. Un C, d'accord, il a moins d'un an. Pas un, pas plus d'un an, c'est moins d'un an. Et qui doit être Zahar. La Torah insiste, c'est mâle et un an. Ce qu'il a fait, lui, notre cher ami de la Mishnah, c'est qu'il a prélevé, il a désigné un corban qui était inapte à monter en guise de corban. Pour chaque corban, vous savez bien, la Torah l'a précisé, des fois tu dois amener un mâle, des fois une femelle, des fois tu peux amener ce que tu veux, des fois tu es limité par l'âge. On a vu toutes sortes de situations dans Zvachim, on a vu longuement, dans ceux qui lisent la Mishnah de Ezeu Mokoman chez Zvachim, tout le matin, ils voient que c'est écrit aussi. Et non, c'est pas écrit là-bas, Davka. C'est écrit dans Zvachim. Donc chaque corban, il a sa spécificité. Qu'est-ce que la Torah lui a imposé? Là, pour le corban Pessah, donc mâle jusqu'à un an. Lui, il a pris une femelle. Où il a pris un mâle qui a 2 ans. Donc il est inapte à monter en corban. Alors je vais d'abord traduire la Mishnah, je vais vous expliquer. Je traduire la Mishnah, il y a une certaine difficulté dans la Mishnah, je vais l'expliquer un petit peu selon Rashi Tosfot, après on expliquera malgré tout ce qu'écrit son nom de Rambam. La Mishnah me dit que tu sais ce qu'il faudra faire avec cet animal. Eh bien, ir'e atchei istaev, il devra paître jusqu'à qu'il va avoir un défaut, veimacher, il sera vendu, veiplu damav lindava. Et sa valeur sera apporté en guise de nedava, en guise d'offrande, qui sont des holotes. Et je traduis d'abord la suite de la Mishnah aussi, parce qu'elle est beaucoup plus facile à comprendre, et elle va nous aider à mieux poser la question ensuite. Amafrish Pisro va mettre celui qui a désigné son Korban Pessah, et le pauvre, il est parti, il est décédé. Donc on a maintenant un Korban Pessah qui a perdu son propriétaire. Alors, maintenant, son propriétaire, il a quand même un héritier, mais cet héritier n'était pas désigné sur ce Korban Pessah. Donc il s'avère qu'on a eu un moment où le Korban Pessah s'est trouvé sans propriétaire. Il a été invalidé pour devenir un Korban Pessah. Le fils ne pourra pas le faire en tant que Pessah. La Mishnah m'enseigne justement « Lo yevienu bno acharav lechem Pessah ». Son fils ne pourra pas le prendre et l'apporter en guise de Korban Pessah, parce qu'on a une halakha, qu'un Korban qui a perdu son propriétaire, qui n'a plus de propriétaire, il a passé un instant même, où il s'est retrouvé sans propriétaire, eh bien, il a été invalidé. Et c'est plus récupérable. Mais malgré tout, et là, l'Echem Shlamim, il pourra quand même l'apporter en tant que Korban Shlamim. D'accord? Pourquoi en tant que Shlamim? C'est en fait, c'est le principe essentiel qui m'intéressait dans cette histoire, c'est que le Korban Shlamim, tout Korban Pessah, de manière générale, tout Korban Pessah qui a eu un problème, qu'on n'a pas pu l'offrir, on a... Le propriétaire n'a pas pu l'amener, il avait disparu, on avait déjà vu évoquer plusieurs cas. Il a disparu, puis après on a apporté un autre Korban Pessah, une mission précédente. Il s'avère que maintenant le Korban Pessah devient un Korban Shlamim. Imaginez, vous avez pas fait, vous avez désigné un Korban Pessah, vous ne l'avez pas fait, il y a eu X ou Y problème. Vous vous retrouvez après Pessah, vous ne pouvez pas l'apporter en Korban en Pessah Sheni, il y a un autre problème. Eh bien, il deviendra Shlamim, parce que le Korban Pessah, il devient nécessairement Shlamim toujours. Il appartient à la même famille, tant qu'il est Pessah, il est Pessah, dès qu'il a l'air d'être Pessah, il redevient Shlamim. C'est le principe qui est écrit dans la fin de la Mishnah. En l'occurrence, le Korban Pessah, il avait un propriétaire, il a perdu son propriétaire, il n'est plus Korban Pessah, il devient Shlamim. Le fils est bon rapportant en tant que Shlamim. D'accord? Ça, c'est la suite de la Mishnah. Maintenant, je reviens en arrière sur la première Mishnah. Sur la première partie de la Mishnah. Là, il y a une situation un petit peu plus délicate. Il a désigné un mauvais Korban. On a une règle. On va prendre un exemple. Je dois porter pour un Hacham, nécessairement un mâle. Et j'ai désigné une femelle. Un Khatat, c'est nécessairement la femelle, et j'ai désigné un mâle. De manière générale, quand on fait une chose pareille, il s'avère que on va distinguer est-ce que c'est la Gdushat Agouf ou Gdushat Damim. Au lieu que ce soit l'animal lui-même qui se sanctifie, ça devient sa contre-valeur qui devient sanctifiée, mais pour l'objectif que je m'étais fixé, soit, ça c'est en général,
C'est la difficulté de la Mishnah. Soit je devais apporter un korban Hacham. J'ai désigné une femelle, alors que je devais apporter nécessairement un il, un bélier. J'ai désigné une chèvre, peu importe. D'accord? Un mauvais korban. Bon ben, ce que j'ai désigné pour mon devoir d'apporter mon Hacham, la Gdoucha, elle s'applique. Sauf qu'elle ne s'applique plus sur la personne, sur l'animal lui-même, mais sur sa contre-valeur. Donc du coup, je pourrais racheter sa contre-valeur, la transférer sur de l'argent, et puis après utiliser cet argent pour l'acheter un korban Pessah. Un korban Hacham ou Khatat ou ce que je devais apporter. Ça, c'est en général. Notre Mishnah nous pose un certain problème de son point de vue. J'ai désigné un korban Pessah mal. Mauvais. Mal, avec l'accent circonflexe. Mais il y a un mauvais korban. Un mauvais korban Pessah. J'ai désigné une femelle ou j'ai désigné un korban qui avait plus de 2 ans. Alors du coup, maintenant, en théorie, ce qu'il devrait y avoir, c'est que maintenant, la Gdusha, cet animal, il est devenu kadosh. Il a une, la Gdusha de Damim. Là, il a sa valeur qui a été sanctifiée pour apporter un korban Pessah. Lui-même, il ne va pas être korban Pessah, mais sa valeur, elle est maintenant réservée au korban Pessah. En théorie, je devrais racheter cette valeur-là, l'animal, par de l'argent, et utiliser cet argent pour apporter mon korban Pessah. Ça, c'est ce qu'il devrait y avoir en théorie, et même mieux que ça. C'est ce qu'il y a concrètement, selon Rashi et selon Tosfot, qui disent que dans la Mishnah, il ne faut pas écrire « Vimacher veiplu damav lindava » mais « Vimacher veiplu damav lishlamim » ou « Les damav shlamim » Je ne sais plus comment c'est dit, « Lindava shlamim » Ouais, il y a un avis qui, comme ça selon Rashi et selon Tosfot, réellement, j'ai désigné, en fait, j'avais moi un bien qui coûtait 1000 shekels, j'ai désigné que j'allais en faire un korban pesar, c'est un mauvais korban pesar, les 1000 shekels que j'ai désignés, ils deviennent aptes à devenir, au moins, pas des shlamim, excusez-moi, à devenir soit un korban pessah, si je suis encore dans la période où je peux apporter un korban pessah, et si je n'ai pas racheté à temps, ça a trop traîné, alors sa contre-valeur deviendra un shlamim, parce que concrètement, le motard pessah, les restes de pessah, ils deviennent shlamim. D'accord? Là, c'est logique. Il y a un problème, c'est que le Rambam, il n'explique pas comme ça la Mishnah. Il explique la Mishnah autrement. Puisque tu as désigné un mauvais korban, eh bien, sache que sa contre-valeur, maintenant, elle va être réservée à qui? Au Nedavot. Il y avait au Bat HaMikdash, pour ne pas que le... Il y avait le... On apprendra ça plus dans Masechet Shkalim. Il y avait un... on se souciait qu'il y avait une caisse spéciale pour que le Misbéach ne reste jamais sans Korbanot. Si toutefois, il y avait un jour, il y avait eu peu de visites. Alors, quoi qu'il arrive, on avait des animaux en réserve qu'on le faisait en tant que Olot. Ketsa Misbéach, ça s'appelait. On aura l'occasion d'en reparler plus longuement. Et alors, donc, selon le Rambam, en fait... puisque le korban, il a été mal désigné et il a été rebuté parce qu'il a eu un problème, selon Rambam, l'argent devient désigné pour les nedava, pour les offrandes de ce fameux Ketsa Misbéach. C'est au lot là qu'on apporte lorsque le Bet HaMikdash n'a pas assez de visite. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov U'Salah.